Bonjour, donc bienvenue chez Suryo à Champagné. Nous sommes fabricants de connecteurs en environnement sévère et je suis manager des opérations logistiques. Alors, le projet Samba a été un projet d'une ligne d'intégration d'expédition où on a pris en premier critère l'aspect ergonomie des postes du travail pour pouvoir réaliser donc nos expéditions partout dans le monde. Nous avons choisi Storopack parce qu'ils ont su nous accompagner depuis la conception de la ligne jusqu'à l'apport de nouvelles solutions, l'apport de propositions de solutions. Donc l'aspect ergonomique des postes de travail a été fortement étudié, les solutions de calage ainsi que la réduction des ports de charge. Et ensuite, nous avons pu travailler avec eux sur l'achat, la mise en place, ce qui nous a permis de continuer l'activité lors de la mise en place de cette nouvelle ligne. Grâce à la ligne Samba, nous avons pu réaliser un gros bénéfice en termes d'ergonomie, puisque nous sommes passés de 6 ports de charge à 2 ports de charge, et également un gain en productivité, puisque nous sommes beaucoup plus flexibles et rapides en termes d'expédition. Nous expédions nos connecteurs que nous assemblons sur le site de Champagné, partout dans le monde, qui peut être sur du petit volume ou gros volume en termes d'expédition. La ligne Samba se découpe en plusieurs phases. Nous avons d'abord une préparation de commande, un picking, qui va se faire sur des chariots adaptés et préparés avec des paniers. Ensuite, nous avons adapté un poste de travail réglable en hauteur, en fonction des opérateurs. Et nous avons mis en place une table élévatrice avec une pesée intégrée. Cette table élévatrice a un système de montée-baisse à haute vitesse, ce qui permet aux utilisateurs de ne plus porter leur colis. Ensuite, une transitique va permettre d'acheminer le colis en facturation sur un deuxième poste de travail. Et nous terminons donc en transitique toujours sur un cerclage de nos colis. Nous avons intégré aussi l'ensemble de notre matériel, les imprimantes à étiquette, les imprimantes transport. Nous avons également adapté un système de réglage des écrans de manière à rendre ergonomique le poste de travail. Donc nous utilisons des coussins R+, prédécoupés. Ce qui a été intéressant également, c'était la mise à disposition d'un silo, de manière à ce que les 4 postes d'opérateurs puissent prélever les coussins d'air directement au poste sans avoir d'aller-retour à faire. Donc, il y a une disponibilité des coussins en permanence sur la ligne. Ça nous permet de travailler en temps masqué. Auparavant, nous avions un process mono-opérateur. Chaque opérateur avait une table de travail et réalisait la totalité de la fonction pour faire l'expédition. Donc nous avions des postes statiques, des tables de travail relativement encombrées et nous faisions des allers-retours pour aller chercher le matériel de calage et également les matériels d'emballage de type carton. Clairement, nous sommes passés de 500 colis expédiés à plus de 600 ou 700 colis jour. Donc Storopack nous permet d'accompagner notre croissance qui fait que de plus en plus nous avons des préparations morcelées qui nous obligent à savoir expédier de plus en plus rapidement et d'être flexible.